En parallèle de sa carrière au théâtre, Clémentine Sellarié revient sur le petit écran avec la mini-série Les Randonneuses. Six amis qui se sont rencontrés en chimio décident de partir à l'assaut d'un sommet de près de 4000 mètres. Une histoire inspirée de son combat contre le cancer. Vous avez un casier de toute façon, un casier sanitaire on pourrait dire. Il y a toujours une épée de Damoclès au-dessus de votre tête, même 5 ans après, confie-t-elle. Toutefois, elle admet que quand elle se sent un peu plus fatiguée que d'habitude, la maladie la rattrape. Mais vous savez, je ne vis pas avec ça, et même si j'ai toujours peur d'une récidive, je ne m'empêche pas de vivre. J'ai une santé plus fragile, mais j'ai plein de projets que je me crée. À un moment donné, à un certain âge de vie, quand on veut quelque chose, il faut se le créer, il faut se l'inventer. Rien n'arrive tout seul.